Aujourd'hui, nous avons débattu sur le thème « Pourquoi la visite interdite en salle d'accouchement ?» Et ce pourquoi la visite interdite en salle d'accouchement, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est pour respecter la pudeur de la femme enceinte. En salle d'accouchement, toutes les femmes sont nues. Maintenant, si une femme rentre, elle regarde la nudité d'une autre, ce n'est pas logique. Des fois même, il y a des hommes qui veulent rentrer pour voir leur femme. Or, ce n'est pas sa seule femme qui est dans la salle. Il va avoir la nudité d'autres femmes. Or, nous sommes en Afrique. Même en Europe, c'est interdit. Je suis certain, quand tu vois la nudité d'une autre femme, c'est parce que la femme là, c'est comme si la femme là a découché. Ce n'est pas une bonne chose. Si un homme a besoin de voir sa femme, si c'est possible, la femme peut sortir et il va voir sa femme. Après toutes ces raisons, il y a certaines qui rentrent dans la salle et donnent à manger aux femmes. Or, la femme peut-être doit être opérée. Quand elle mange, l'opération sera différée. Or, peut-être c'est une urgence. Des fois même, si on ne voit pas, elle peut rentrer au bloc ayant mangé. Ça peut poser d'autres problèmes. La mort peut survenir. À part ça, dans nos salles d'accouchement, il n'y a pas beaucoup de place. Les femmes sont assises 2, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 5, 5. Maintenant, les accompagnantes aussi veulent aller rester chez les femmes. Il n'y a pas de place. On ne pourra pas bien travailler. Des fois, elles viennent, elles donnent des potions de nature inconnue aux femmes. Et ça donne de fortes contractions aux femmes. Après, nous allons mettre le sérum, soit piquer les dames. Et il y aura trop de contractions et la personne aura une rupture utérine. L'enfant peut mourir, la femme aussi peut mourir. C'est pourquoi nous insistons à ce que les accompagnantes et les maris ne rentrent pas dans la salle d'accouchement. Mais les gens croient que nous sommes méchants, c'est pourquoi on les renvoie. Or, dans nos salles d'accouchement, il y a une fenêtre qu'on cogne et on demande des renseignements. C'est pourquoi aujourd'hui, on a insisté sur ce thème. Et quelles sont les heures de visite? À la salle d'accouchement, je peux dire qu'il n'y a pas heure de visite. Il n'y a pas une heure de visite. Mais si tu veux voir ta femme, si c'est possible, elle n'est pas sous sérum, elle n'a aucun problème, on peut la faire sortir sur la voie et elle rentre. Sinon, à la salle d'accouchement, il n'y a pas heure de visite. Puisque à chaque moment, à chaque minute, il y a des femmes qui sont en train d'accoucher. L'accouchement, il y a une salle, on les installe. Après une heure de temps, on les envoie en sud de couche en haut. Donc là-bas, il y a des heures de visite. C'est de midi à 14h30 et le soir à partir de 18h30. Là, le personnel est déjà parti. Mais en salle d'accouchement, il n'y a pas eu de visite. Mais si c'est possible, on peut te laisser voir ta femme. Merci beaucoup. Yeah.